À partir de 13h30 ce 11 décembre sur France 3, Michel Drucker mettra à l'honneur une figure de la chanson française dans son émission Vivement Dimanche. Découvrez également les autres invités que recevra l'animateur. Chaque semaine, Vivement Dimanche ravit les téléspectateurs avides de confidences et d'anecdotes de célébrités qui se succèdent sur les fameux canapés rouges de l'émission dominicale de Michel Drucker, désormais diffusée sur France 3. Dès 13h30, ce dimanche 11 décembre 2022, c'est Serge Lama, qui sera à l'honneur, et qui aura donc le privilège de voir sa carrière et sa vie revisitée en dessin par Emmanuel Chaunu. Le chanteur de 79 ans, qui a récemment évoqué l'accident qui a failli lui coûter la vie, parlera de son 24e et dernier album, intitulé Aimer. À cette occasion, Serge Lama sera rejoint par son ami, le chanteur Gilles Dreux, et Marie-Paul Bell. Un duo complice et un chanteur à succès présent sur le plateau de Michel Drucker en plus de Serge Lama, les téléspectateurs retrouveront Chantal Goya. La chanteuse, qui a fêté ses 80 ans au printemps dernier, parlera de son nouveau spectacle sur la route enchantée, créé en collaboration avec son mari et complice de toujours, Jean-Jacques Debout, qui sera également présent sur le plateau de Vivement Dimanche. Depuis le 23 octobre dernier, les spectateurs peuvent retrouver l'artiste dans la peau de Marie-Rose. Vêtue de sa célèbre robe rose, elle entraîne les petits et les grands dans ses aventures pleines de rencontres surprenantes. Un spectacle à découvrir jusqu'en mars 2023. Autre invité, Claudio Capeo. L'artiste français évoquera son nouvel album Rose des Vents, qui est sorti dans les bacs le 25 novembre dernier. Un nouvel opus aux sonorités pop composé de 17 titres, dont un duo avec Slimane, son camarade de promo de The Voice 5. The Opera Locos, Cécile de France. Les autres invités de Vivement Dimanche, Cécile de France sera aussi de la partie. L'actrice belge parlera de son film La Passagère dans lequel elle donne la réplique à Félix Lefebvre et Grégoire Monséjon. Chiara vit sur une île de la côte atlantique, là où son mari Antoine a grandi. Ils forment un couple heureux et amoureux. Elle a appris le métier d'Antoine, la pêche, et travaille à ses côtés depuis 20 ans. L'arrivée de Maxence, un nouvel apprenti, va bousculer leur équilibre et les certitudes de Chiara, peut-on lire du synopsis du film qui sortira en salle le 28 décembre prochain. Michel Drucker recevra également Olivier de Kersauzon sur le plateau de Vivement Dimanche. Le navigateur, qui officie dans l'émission Les Grosses Têtes sur RTL, parlera de son dernier ouvrage Veritas Tantam, aux éditions Le Cherche Midi. À ses côtés, les téléspectateurs retrouveront aussi le groupe The Opera Locos. La bande déjantée est de retour au Théâtre Bobino de Paris jusqu'au 29 janvier 2023 pour réinterpréter à leur façon les plus grands classiques de l'opéra. À lire aussi J'ai frôlé la mort, Serge Lama évoque son accident qui a coûté la vie à sa fiancée, dans En aparté article écrit en collaboration avec Cimedia.